Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette salle usagée. Donc, je vous propose de commencer tout doucement en vous disant, pour commencer justement, comme vous le voyez, qu'il y a un absent à cette table. Nous allons faire cette table ronde à trois, donc avec deux intervenants, puisque Stéphane Bruère, qui représentait la BULAC, n'a pas pu assister au congrès. Alors c'est bien dommage parce que du coup il va nous manquer l'expérience directe des collègues en bibliothèque universitaire, mais Marie-Angela Rosselli indirectement pourra peut-être faire le lien, et ensuite on verra justement dans les échanges comment on peut essayer d'intégrer ce questionnement. Avant de vous présenter nos deux intervenantes, alors pour le coup, Bénédicte Frocot se trouve un petit peu, j'allais dire, prise en sandwich avec entre deux sociologues, mais c'est pas tout à fait le cas parce qu'on s'est installé comme, pour éviter ce genre de faux pas. Avant de vous présenter les deux intervenantes et de vous dire un peu quel type de dispositif on a construit pour cette table ronde, j'aimerais revenir un peu sur cette problématique de la cohabitation des usagers. Alors, il ne vous a pas échappé que demain, une autre problématique sur une question très proche abordera plutôt la question de l'agressivité des usagers, des violences et des incivilités. Mais cela dit, une grande chance quand même que ces questions viennent au cours des présentations, voire des débats. Alors, pour faire le point sur cette problématique, j'aimerais rappeler un certain nombre de choses. D'abord, pour commencer, que les bibliothèques, comme chacun sait, sont des espaces de mixité, mixité sociale, mixité sexuelle, mixité générationnelle. Parfois, d'ailleurs, c'est l'espace culturel public le plus mixte sous ces trois registres, ce qui sous-entend qu'elles reçoivent des publics mélangés, voire très hétérogènes, avec des personnes qui ont des parcours personnels, qui ont des histoires, des parcours de socialisation, des conditions de vie très différentes les unes des autres. Je serais tenté de dire que cette forme de mixité produit une forme de précipité chimique souvent assez intéressant. Alors je trouve que cette image du précipité chimique, justement, elle nous permet aussi de voir qu'à certains moments, il est certes intéressant, mais qu'il peut devenir instable, voire particulièrement instable. Et c'est aussi de ces questions qu'on va essayer de... C'est aussi ces questions qui seront un peu au centre du débat aujourd'hui. Et c'est ce qui fait des bibliothèques, d'ailleurs, des lieux de sociabilité. On se réclame aujourd'hui beaucoup de la fonction de sociabilité des bibliothèques. Cette fonction, elle est assumée de plus en plus, de mieux en mieux, mais elle a aussi, bien évidemment, ses limites, voire ses petits travers. Je prendrai un petit exemple. Il est d'actualité, c'est l'accueil des lycéens qui viennent réviser en ce moment dans les bibliothèques publiques, quelle que soit leur taille, d'ailleurs. Et quand je dis les lycéens, c'est bien souvent les groupes de lycéens, donc des grands groupes de lycéens, avec parfois les problèmes de cohabitation que cette présence affirmée peut poser avec les autres usagers. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour ma part, j'ai fait une soirée de service public hier à la BPI, et cette question de la cohabitation, elle était particulièrement sensible, voire un peu difficile. Les agents que vous êtes pour la plupart sont les garants de l'institution, pour commencer, de ses missions, de son bon fonctionnement, mais ils sont aussi les garants, vous êtes aussi les garants des publics, et par conséquent, vous êtes les garants de ces formes de cohabitation qui, en règle générale, donc, ont tout intérêt à être particulièrement réussis. Alors, c'est une chose de le dire, c'est plus difficile de le faire, de le mettre en pratique, et surtout de trouver un certain nombre de pratiques qui permettent justement de bien organiser cette mixité, cette cohabitation. Alors, on fait souvent référence dans le champ des sciences sociales à tout ce qui relève de l'interculturel, justement pour trouver des moyens justement de faciliter les interactions pour permettre le décentrement aussi qui permet aux professionnels de se mettre à la place des usagers pour essayer de régler des situations. Pour ma part, j'ai souvent été très inspiré par
une lecture qui ne relève pas tout à fait du champ de l'interculturel, mais qui relève plutôt de la sociologie de l'interaction, de l'interactionnisme symbolique américain. Il s'agit d'Irving Goffman, que vous connaissez peut-être. J'espère que vous l'avez dans vos collections. Et c'est un ouvrage qui s'appelle « Les rites d'interaction ». Et en fait, c'est une grammaire, pour ainsi dire, hein, une analyse sociologique, mais c'est une grammaire des situations d'interaction en face à face et de la façon dont les individus doivent les conduire pour éviter que ces interactions dérapent. Et Goffman utilise une métaphore que je trouve très, très utile pour notre travail, pour la complexité de notre travail parfois en service public, c'est la métaphore de la figuration. Il dit qu'une interaction peut déraper parce que parfois on fait perdre la face à son interlocuteur, ou parce que soi-même on perd la face. Et donc le travail de figuration va consister justement à faire en sorte soi-même de garder la face, mais également d'être en mesure de faire en sorte de ne pas faire perdre la face à son ou ses interlocuteurs. Voilà, ce n'est pas une analyse psychologique, on n'est pas dans la psychologie pratique, hein, on n'est pas dans le développement personnel, on est vraiment dans l'analyse sociologique, mais il montre bien aussi, et c'est là à mon avis que son travail peut nous servir, que toutes ces interactions sont éminemment ritualisées. Ce qui fait que parfois d'ailleurs on entre dans des routines malgré soi, même des routines d'agression. Donc je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage, il ne sera pas nécessairement question à nouveau de ces questions. Donc je commencerai par donner la parole à Bénédicte Frocco, qui contrairement à ce que le programme annonçait n'est pas la directrice de la médiathèque de Bron, mais, et vous allez comprendre que la précision est importante, la directrice des médiathèques de Calais. Et donc elle témoignera de cette expérience particulière, sensible, forte et très intéressante, hein, que constitue effectivement le fait de diriger une bibliothèque dans cet environnement social et culturel tout à fait particulier. À sa suite, Marie-Angela Roselli, qui est sociologue, enseignante et chercheure à l'Université Toulouse 2, reviendra sur ses travaux d'enquête, à la fois en bibliothèque publique, en particulier à José Cabanis à Toulouse, mais également peut-être aussi en bibliothèque universitaire. Voilà, Marie-Angela Roselli a écrit un ouvrage avec Marc Pernoux sur les comportements justement des usagers dans les bibliothèques universitaires, paru aux presses universitaires du Mirail. Et j'ai vu dans les documents que tu me faisais circuler qu'il y avait également un texte qui était issu des travaux réalisés en bibliothèque publique à Cabanis. Bon, tu reviendras sur ces questions-là. Alors le protocole, le dispositif est très simple. J'ai proposé à Bénédicte et Marie-Angela de commencer par planter un peu le décor, de rappeler le contexte des environnements qu'elles ont pu observer ou dans lesquels elles travaillent, chacune leur tour. Et ensuite, elles reviendront de façon un peu plus longue. Elles ont plus de temps, hein, puisqu'il y a une personne en moins, mais ça sous-entend aussi qu'on prendra peut-être un peu plus de temps pour débattre avec vous. Elles nous diront comment justement elles perçoivent aussi cette question de la cohabitation des usagers, donc l'une avec son regard de professionnelle, directrice d'un établissement en pointe sur ces questionnements, et l'autre avec ce détachement du chercheur qui a fait de cette question son objet de recherche. Et on commence par Bénédicte Frocco. Bonjour. Je pense que ça me manque. Donc, alors, Calais, je pense que tout le monde en a entendu plus ou moins parler, hein. Calais a une situation géographique très particulière, puisque de tout temps, Calais est face à l'Angleterre, donc à 30 km de l'Angleterre. Par jour de beau temps, il faut savoir qu'on voit les côtes, on voit le port de Douvres, on le voit vraiment bien, hein, c'est assez joli. Et donc, c'est une ville de 74 000 habitants, une aglo de 100 000. C'est une ville pauvre, puisque c'était une mono-industrie, hein, la dentelle. Donc quand les dentelliers ont fermé, il y a eu un fort taux de chômage. Et c'est aussi une ville qui accueille beaucoup de migrants. Actuellement, là, en début de semaine, on était à 3500, 4000 migrants recensés. Donc, recensés, c'est ceux qu'on a vraiment identifiés, hein, donc, qui sont vraiment passés par l'OFPRA, par les différentes associations.
Hein, après, il y a tous ceux qui sont dans les jungles environnantes. Hein. Donc, les jungles, c'est tous les espaces qui sont utilisés alors, aux abords des rocades, des autoroutes, de tout ce qui permet à un moment donné ou à un autre de monter dans un camion pour essayer de passer en Angleterre. Parce que ça, c'est le but. Le but, c'est quand on est à Calais, le but, c'est d'aller en Angleterre. Il n'y en a pas d'autre. Il est dit, explicité, clairement. Et tout ça dans un territoire avec des populations qui sont pauvres, mais vraiment. Où on a, alors, on a un taux de grossesse précoce qui est le quadruple de la moyenne nationale. Oui, on a deux quartiers prioritaires encore. Les contrats de ville ont été redéfinis, mais nous avons gardé nos deux quartiers prioritaires, le Beaumarais et le Forniolet. Avec des problématiques de grande pauvreté, de taux de qualification très bas. Hein. Il y a peu de personnes qui vont au-delà du bac, parce qu'en plus, c'est une population qui n'est pas mobile, puisque voilà, historiquement, on avait du travail aux dentelles, donc il n'y avait pas besoin de bouger de Calais. Donc, il y a aussi des gens qui n'ont jamais bougé. Donc, en fait, eux ne sont jamais sortis de Calais et le monde vient eux, avec les migrants. Hein. Donc, voilà. Donc, Calais, c'est ça. Et à Calais, il y a un réseau de médiathèques. Voilà. Donc, une médiathèque centrale, une annexe de quartier, le médiabus qui circule et la bibliothèque de plage qui pendant tout l'été, puisqu'il fait beau à Calais. Donc, on peut avoir une médiathèque pendant les mois de juillet et août sur la plage, sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est le contexte. Et donc en fait, en juillet 2014, on a eu une vague massive donc qui nous a posé beaucoup de soucis, qui nous a aussi re-questionnés par rapport à nos postures, nos attentes aussi. Puisque, en tant que bibliothécaire, on part du principe, selon la charte de l'UNESCO, qu'on est ouvert à tous. Ça, c'est le principe de base. Après, parfois, quand on est ouvert, et c'est le cas chez nous, parce que nous n'avons pas de vigile. Hein. La médiathèque de Calais n'a pas de vigile. Elle est vraiment, quand je dis qu'elle est ouverte à tous, c'est que vous n'avez même pas de sas pour rentrer dans la médiathèque. Hein. La porte est ouverte, on rentre dans la médiathèque, et après, on a vraiment une borne d'accueil et d'orientation. Donc vraiment, tout le monde peut rentrer dans la médiathèque. Donc tout le monde rentre dans la médiathèque, y compris les migrants. Je continue. Oui. Voilà, sur... Donc en juillet 2014, donc à partir du 4 juillet, on a commencé à voir apparaître des migrants nombreux, de plus en plus nombreux. Alors, qui venait à la médiathèque, alors pas du tout pour utiliser la ressource documentaire. Ils venaient pour accéder aux prises électriques, pour recharger les téléphones portables, accéder à Internet, donc l'espace Internet et le Wi-Fi, et accéder aux toilettes. Alors, accéder aux toilettes, c'est l'usage des toilettes pour se laver, pour aller aux toilettes, mais aussi pour remplir des bidons d'eau. Ça aussi, c'est une problématique. Et donc, à un moment donné, ça a posé des soucis. Et en fait, la médiathèque est accueillante. Donc, comme elle est accueillante, à un moment donné, le mot est passé entre eux. Vous pouvez venir à la médiathèque. À la médiathèque, ils ne vont pas vous mettre dehors. À la médiathèque, on peut rentrer sans carte. À la médiathèque, on peut rentrer sans payer. À la médiathèque, on rentre... Voilà, on rentre. Donc, ils sont venus, parce que... la communication passe très très bien. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec des ouvertures où, vous imaginez les jours de solde, donc 100 personnes agglutinées, mais vraiment, hein, littéralement, agglutinées contre les portes. Alors, le mardi, parce qu'on avait été fermé le dimanche et le lundi, et le samedi, parce qu'il allait y avoir la fermeture du dimanche et du lundi. Donc, c'était les deux jours où on avait vraiment, mais quand je dis agglutiné, c'est véritablement agglutiné. Hein. Pour vous donner un exemple, donc il y a la porte, on essayait de l'ouvrir comme ça pour se mettre devant, pour leur rappeler les règles. Enfin, c'était compliqué parce qu'il y avait une poussée. Hein. Il y avait
Et il courait littéralement dans les espaces. Enfin, il rentrait et il courait pour accéder aux prises. Donc j'en ai retrouvé en dessous des bureaux des collègues où il débranchait les ordinateurs, il débranchait les opaques. Il venait avec des racks de prises, il se branchait. Donc à un moment donné, c'est un peu problématique. Hein. Voilà. Ensuite, il y a un problème qu'il ne faut pas nier, c'est que comme ils vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires, ils ne sentent pas bon. C'est une réalité. Les bureaux de l'administration, donc mon bureau, c'est au deuxième étage. Ils étaient principalement, au début, ils étaient cantonnés principalement au rez-de-chaussée. Mais il y a quand même eu des jours en plein mois d'août où ça ne sentait pas bon jusqu'à l'étage de l'administration. Tellement ils étaient nombreux. Pour vous donner une idée, on accueille entre 650 et 700 personnes par jour, et eux, ils étaient entre 80 et 100 personnes par jour, les migrants. Donc ça nous fait un sixième, ou un septième, enfin, selon les jours. Donc ça peut être vite compliqué. Et sachant qu'on avait tous nos autres usagers, qui à un moment disaient, mais nous, on ne peut plus venir, parce qu'il n'y a plus de place. Moi, je ne peux même pas brancher mon ordinateur pour travailler. Et je ne peux pas aller aux toilettes, parce que devant les toilettes, il y a une file d'attente énorme. Et je ne peux pas aller aux toilettes, parce que de toute façon, les toilettes, ils sont utilisées pour se laver. Et puis, comme c'est gaugé de partout, il y a le personnel d'entretien qui repasse derrière pour renettoyer. Alors, le personnel d'entretien, admirable, hein. Parce qu'elles sont passées, repassées, repassées, enfin, c'est pareil, hein, n'en pouvait plus. Des questions aussi très basiques, très pragmatiques, à savoir que les toilettes que nous avons sont des toilettes comme on voit partout hein, en Europe, mais ils les utilisaient comme des toilettes à la turque. Je peux vous dire que 100 personnes par jour, en moyenne, pendant plus de 8 semaines, qui utilisent des toilettes normaux, enfin, comme nous, on les connaît, comme des toilettes à la turque, ça ne supporte pas. Donc les services techniques sont devenus mes meilleurs amis, hein, ainsi que les plombiers, parce que je les appelais régulièrement, donc ils venaient. Ah, c'est encore cassé, bah oui, c'est encore cassé, oui. C'est... Voilà, donc, et tout ça en plus dans un contexte où on a une image qui était renvoyée par les médias nationaux. Parce que ça aussi, l'équipe me renvoyait régulièrement, me disait, mais c'est pas juste, on a encore parlé de Calais à la télé. Ouais. Ouais, bah sur BFM, ils ont encore dit qu'à Calais, il y avait des migrants, puis ils ont dit qu'en plus, les Calaisiens, ils n'étaient pas sympas, que limite, on est raciste, alors que nous, on est là. Nous, les migrants, ils sont chez nous, tous les jours, on est au boulot. J'ai pas eu d'arrêt maladie. Hein. Ah oui, alors ça aussi, c'est important à dire. J'ai pas eu un seul arrêt maladie, j'ai pas eu de droit de retrait, j'ai pas eu d'absence. Le personnel a été présent du début à la fin de la période aiguë. Vraiment. Or, résultat, j'ai négocié un jour de congé supplémentaire pour le pont de Noël, que nous avons obtenu d'ailleurs. Mais non, non, mais effectivement, le personnel était vraiment très à l'écoute et en disant, mais de toute façon, ces gens, ils sont là, ils cherchent une solution, on ne peut pas les mettre dehors comme ça, mais il faut qu'on arrive à leur expliquer quelles sont les règles. Donc on essayait de le faire, donc on avait un DMECOM français-anglais, parce que tout le personnel ne parle pas anglais couramment, pour expliquer. Au moment, quand on voyait qu'il y avait vraiment... Alors moi j'ai fait les ouvertures avec le personnel, hein, j'étais sur le terrain. Je faisais toutes les ouvertures hein, cet été avec eux. Donc on sortait, il y avait toujours, on était toujours deux à sortir, on réexpliquait les règles en anglais. En demandant, on s'adressait à tous, on disait, voilà, on va vous les expliquer en anglais, en français, vous réexpliquez à vos compatriotes, s'ils n'ont pas compris ni l'anglais ni le français, vous leur retraduisez ce qu'on vient de vous dire, mais on ne court pas dans les espaces, on ne débranche pas les ordinateurs professionnels. Enfin voilà, quelques règles qu'on avait explicitées. Tout le personnel était sur le pont, donc il y avait une espèce de haie d'honneur, là, de fil comme ça, et pour essayer de les canaliser pour pas qu'ils courent. Donc ça a fonctionné un temps, mais au bout d'un moment, ils étaient vraiment trop nombreux.
on ne pouvait plus assurer. Et on n'était plus du tout, nous, dans notre dimension de bibliothécaire, puisqu'en fait, on passait notre temps à expliquer, à rappeler les règles, puisque tous les jours, c'était jamais les mêmes qui venaient. Et parce qu'en plus, quand on essayait d'aller au-devant d'eux pour leur expliquer, voilà, nous, on a des méthodes de langue, vous pouvez, il n'y a plus de place pour Internet, mais ce n'est pas grave, si vous voulez, on vous réserve un créneau pour demain, il n'y a pas de souci, il sera réservé. Et il y en avait qui nous regardaient, ils disaient, mais non, demain, moi, je serai en Angleterre. Mais non, vous ne serez pas en Angleterre. Ah, si, demain, je serai en Angleterre. Oui, enfin, peut-être, dans quelles conditions, et donc, moi, ce que j'avais demandé à l'équipe, et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, et je l'ai fait aussi, c'est quand, à un moment donné, il y a des usagers, notre public traditionnel a commencé à se plaindre. Donc, à chaque fois, je leur reposais la question, je leur disais, bon, est-ce que vous avez été agressé? Non. Vous avez été violenté? Non. On vous a volé quelque chose? Non. Bon. Le souci, il est où? Il y a des migrants. J'ai dit, oui, il y a des migrants, oui, ils sont là. Mais ils ont le droit de rentrer. Oui, ils ont le droit de rentrer. Mais comme vous, si vous allez ailleurs, vous allez à Bruxelles, vous allez à Douvres, vous pourrez rentrer dans la bibliothèque. C'est la même règle pour tous. Et j'applique la même règle pour tous. Ça aussi, je n'ai jamais dérogé. Il y a des migrants que j'ai mis dehors. Clairement. Ceux que j'ai chopés, là, en train d'essayer de débrancher les ordinateurs en dessous des collègues, on leur avait expliqué avant, c'était dehors. Non, là, vous sortez, je ne vais pas vous revoir tout de suite. Vous allez dehors. La règle, elle est la même pour tous. Ça, c'était quelque chose sur lequel on ne dérogeait pas. La règle est la même pour tous. C'est dur, mais sinon, ce n'est pas possible. Et dans le même temps, il y avait aussi toute la discussion qu'avait entamée le politique, donc Madame le maire, avec le ministre de l'Intérieur, pour pouvoir... Parce que, moi, j'ai alerté la hiérarchie, tout de suite, tout le monde. De toute façon, les services techniques, la police municipale, tout le monde était au courant de ce qui se passait à la médiathèque. Et dans le même temps, Madame le maire était en négociation avec le ministre de l'Intérieur en disant, là, c'est plus possible, ils nous font un centre d'accueil. Parce qu'effectivement, ces besoins primaires, il faut y répondre. D'ailleurs, moi, quand on m'a interrogé sur ce qu'il faut au centre d'accueil, j'ai dit, vous mettez des prises électriques, des accès Internet, des toilettes, des douches. Après, peut-être que la médiathèque viendra. Mais déjà, vous résolvez tout ça, déjà, ce sera bien. Et à un moment donné, on a eu une bagarre violente, extrêmement violente, entre migrants. Parce que, c'est une population qui est principalement composée d'hommes jeunes, donc érythréens, soudanais, éthiopiens, c'est vraiment de l'Afrique de l'Ouest. On a peu d'Irakiens, de Syriens, on commence à en voir arriver, mais au moment de la période la plus aiguë, c'était vraiment Afrique noire. Et ils importent aussi leurs conflits, que quand on est dans ce genre de situation, je pense qu'à un moment donné, on est tellement fatigué, épuisé, que le moindre petit souci, ça crée une étincelle. Et il y a un jour, on a eu une bagarre entre Érythréens et Soudanais pour une question d'accès aux prises. Et c'était une violence, mais vraiment palpable. On n'a pas réussi à les raisonner, donc j'ai appelé la police municipale. Normalement, quand ils voient arriver la police... ils s'arrêtent. Là, ils ont continué. On a été obligé d'appeler la police nationale parce que ça a monté crescendo. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit là, on ferme la bibliothèque tant qu'on n'aura pas sécurisé toutes les prises. Puisque comme le nœud du problème, c'est les prises électriques, on va sécuriser les prises. Donc ça, c'était le 31 octobre. Donc à 22h, j'avais Madame le maire et Monsieur le DGA qui me disaient comment ça vous fermez. J'ai dit, je vous avais prévenu, à un moment donné, c'est plus possible. Donc je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ok, on va essayer de trouver une solution. La solution, j'ai dit, on va mettre des cache-prises, bébés. Regardez, halluciné. Bon, on n'en avait plus en stock, en plus, voilà, les histoires de marché, etc. Véridique, Appeler la crèche qui me dit non, mais on n'en a plus, les écoles maternelles, on n'en a plus non plus, mais oui, mais moi, il me faut des cache-prises, vous vous débrouillez comme... Je ne réouvre pas tant que je n'ai pas les cache-prises. Le vendredi, le samedi, on ferme,
Le mardi, ah, on n'a pas de cache-prise, on n'ouvre pas. Le mercredi, ah ben non, on n'a pas de cache-prise, on n'ouvre pas. Là, j'avais l'équipe qui commençait à me dire, non, mais vous ne vous rendez pas compte, on est fermé. C'est grave pour les usagers, oui. Mais j'ai dit, là, il en va de la sécurité de tous, de tous les usagers et de vous. Là, c'est plus possible. Les collections, ce n'est pas grave. Mais l'humain, c'est grave. Là, les gens, ils se sont battus pour une histoire de prise. Donc, c'est plus possible. Et donc, le jeudi matin, j'ai eu mes cache-prises. Donc, tout le monde sur le pont, on est allé mettre les cache-prises sur les 258 prises. Ah oui, j'ai... Alors, ce qu'ont dit mes collègues en rigolant, ils m'ont dit, grâce aux migrants, on a découvert des prises. Mais ce qui est vrai, il y avait des prises, on ne savait pas qu'on les avait. Hein. C'est le tableau, ce n'était pas à jour, hein, le plan. Donc, on a mis les cache-prises, bébés. Et en fait, cette barrière symbolique, parce qu'on peut enfin, vous voyez, hein, on l'enlève facilement. Hein. Il n'y en a pas un qui a essayé de l'enlever. Pas un. Ils ont compris. Ils ont dit, bon, ok, d'accord. On peut toujours venir, oui, oui, vous avez toujours le droit de venir à la médiathèque, mais par contre, maintenant, pour, c'est, voilà, il y a un espace dédié qui est la salle CER. Donc là, vous avez le droit de vous brancher, mais par contre, les autres, non, vous ne pouvez pas. Et ça a été respecté. Et là, ça s'est apaisé. Et donc, tout le monde a pu reprendre un fonctionnement beaucoup plus serein. Mais voilà, c'était juste ça, les cache-prises, quoi. Il suffisait. Bon, alors après, effectivement, il y avait aussi le fait que dans le même temps, on savait, on était en capacité de leur dire, il va y avoir le centre. Et que le centre, effectivement, a ouvert. Donc maintenant, c'est pareil, quand il y a des migrants qui viennent à la médiathèque pour nous dire, ben voilà, j'ai envie de recharger mon téléphone, je vais me laver, on est en capacité de leur dire, tous les collègues savent expliquer comment il faut aller au camp Jules Ferry. Voilà, donc il leur explique, vous pouvez y aller, vous aurez aussi, parce qu'il y a aussi un repas par jour. Donc il y a un repas par jour, il y a des toilettes, des douches, des prises électriques. Donc ça permet, voilà, on a une réponse à leur apporter. Donc ça, c'était important. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette première intervention. Donc sujet brûlant d'actualité. Alors on est déjà sur... une vision extrême de la question de la cohabitation des usagers, peut-être pas extrême, mais en tout cas assez forte. On est assez loin des problèmes avec les lycéens dont je parlais tout à l'heure. Quoique, on pourra peut-être revenir sur la cohabitation des publics habituels, des lycéens au mois de juin et des migrants à la bibliothèque de Calais. Je passe la parole à Marie-Angela et donc on passe sur un terrain plus méridional. Oui. Donc le contexte est tout à fait différent. Donc nous sommes à Toulouse. Ce que je vais vous raconter là s'inspire d'un travail que nous avons effectué l'année dernière d'observation et puis d'interview à des pauvres en médiathèque. Donc la commande de la médiathèque Cabanis a été qui sont ces pauvres ? Qui sont nos pauvres, qui sont nos publics sociaux, que font-ils, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on est entré dans le questionnement, parce que la médiathèque de Toulouse s'est posée et s'est positionnée clairement sur un rayonnement plus social de son action, et notamment en exportant la bibliothèque au restaurant social, de voir trois fois par semaine cette année, où certains bibliothécaires, d'abord volontaires et ensuite dans l'équipe ayant recruté un peu plus d'agents, un ou deux bibliothécaires exportent la médiathèque et ses services, avec des tablettes, etc., au restaurant social. Et donc, Cabanis s'est demandé à un certain moment, est-ce que cette politique-là nous amène plus de pauvres, et est-ce que nous, on est plus ouverts, on est plus compréhensibles par rapport à leurs demandes. Donc c'est comme ça qu'on a enquêté, et il nous est apparu, pour faire vite, hein, que quand on parle des pauvres en bibliothèque, on a en fait trois grandes catégories, on va dire, qui se rendent très visibles. Donc là, c'est une problématique de visibilité et de trouble
causer aux autres usagers d'abord et ensuite aux agents et donc au personnel. Trois catégories. La première est la catégorie des gens qui n'ont pas de toit, donc soit SDF, soit clochard, qui est intergénérationnelle, c'est-à-dire de très jeunes qui sont en errance et en fuite, et que l'on peut aborder parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc, facile entrer en contact avec eux pour les étudiants, en tout cas l'étudiant de sociologie qui était chargé de travailler avec les jeunes. Parce que moi, je ne pouvais pas entrer en contact avec eux. Vous comprenez bien que la différence d'âge, c'est pas possible. Donc, des stratégies un peu méthodologiques pour faire en sorte que l'appareillage méthodologique reflète la réalité sociale. Et cela a été un outil extrêmement intéressant aussi pour l'équipe ensuite de Cabanis, qui a compris que la composition sociale, générationnelle, ethnique de l'équipe qui incarne la bibliothèque dans certains endroits et dans certaines situations va produire un miroir, je dirais presque en symétrie, une structuration des publics sociaux plus ou moins mixtes. Et ça, c'est ce que dit Goffman. Dans l'interaction, nous impliquons et nous donnons des traces de nous-mêmes qui va structurer en face un certain nombre de choses. Donc ça, on l'a vraiment vu. Donc je reviens à la question des sous-catégories des sans domicile fixe, donc les ados et les pré-ados en errance et en fuite. Donc ça n'a rien à voir avec vos profils à vous, c'est des profils français, hein, très jeunes, blancs, même très blancs et très pâles, je vous dirais, qui laissent leur chien dehors, leur chien au pluriel dehors, et qui évoluent dans leur errance à un, mais souvent à deux, un couple, un garçon et une fille. Voilà. Donc on a entre 13 et 25, là, dans cette sous-catégorie-là. Et puis on a des personnes restées sans domicile par des conjonctures économiques et des conjonctures biographiques. Séparation, monoparentalité, etc. etc. Beaucoup d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et dont on voit des traces, des cycles de vie tels qu'ils se déroulent à l'heure actuelle dans les trajectoires biographiques. J'étais ouvrier, je me suis séparée, j'en suis à 980 euros par mois, je ne peux pas me payer un logement, donc je vis en voiture, dans ma voiture, qui me sert aussi pour aller au travail, et je viens le matin là pour me reposer. Bon, je vous expliquerai ensuite les logiques sociales hein, pour lesquelles ils choisissent de venir à la médiathèque. Donc, deux sous-catégories de personnes qui n'ont pas de domicile. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie, les personnes qui ont un corps en souffrance psychologique, mentale, mais aussi porteur de handicap, moteur et de type cognitif ou intellectuel, qui sont dans une situation de soit non-reconnaissance, soit d'isolement social. Donc là, on a affaire à ce qu'autrefois on appelait les différentes formes de la folie, si vous voulez. Mais là, on est dans une gradation de maladies, de dépression, de victimes du burn-out, de plus en plus, très, très bien sur elles-mêmes, hein, je veux dire, et puis qui dérape complètement dans les interactions sociales. Donc avec les autres usagers qui, par exemple, tapotent avec leur ordinateur parce qu'ils sont en train de travailler, ben, vous avez des moments de crise où ils se lèvent et puis l'ordinateur vole et le bibliothécaire qui est là derrière, ben, il faut qu'il fasse la médiation parce que les deux
ont droit de rester dans cet espace public parce qu'aussi la médiathèque s'est engagée et que ça fait partie de leur politique volontariste de s'ouvrir à cette dimension, à cette réalité sociale qui est très contemporaine. Donc la catégorie, on va dire, des corps en souffrance, on ne peut pas les appeler malades, parce que si vous les appelez malades, cette manière de catégoriser va interagir, bien sûr, sur la manière dont vous allez porter votre regard là-dessus. Là encore, Goffman qui dit « le regard social est fait de ce que vous pensez de la personne ». Et dans ce regard, nous portons des traces inconscientes. Donc il faut travailler sur les catégories de papier, et les catégories de discours pour changer de point de vue. Parce que si on ne travaille pas sur les catégories, on va laisser les agents qui sont dans l'interaction démunis face à la réalité qui déborde, hein, et qui arrive dans la médiathèque. Alors pas comme chez vous, comme ça, de manière très violente, mais de manière beaucoup plus lente, mais somme toute assez violente sur ce que cela veut dire de comment va notre société, hein, parce qu'on le voit bien. Et troisième catégorie de personnes pauvres que nous avons rencontrés, ce sont les, non pas les migrants, mais les sans-papiers, mais ça c'est propre à Toulouse, qui n'est pas en situation de pouvoir sortir, c'est enclavé Toulouse. Donc quand on vient à Toulouse et qu'on est migrant, c'est qu'on a une communauté derrière, et c'est qu'on peut y trouver un emploi, et donc la lutte, l'enjeu, pour ces gens-là, c'est d'obtenir un renouvellement du titre de séjour qu'ils ont obtenu sur un premier emploi et de se maintenir dans une dignité physique, culturelle, dans un temps social structuré, donc se lever le matin, s'habiller, se laver, etc., etc., et résister dans les périodes de vulnérabilité économique pour pouvoir revendiquer et demander un titre de séjour pour renouveler, etc., etc. Donc on est dans des situations de titre de séjour, vulnérabilité économique, sans papier, donc qui se cachent et qui détournent l'attention, qui ne tiennent pas le regard, qui vous fuient. Donc quand vous essayez de faire des observations, ils vous disent « toi », donc ça c'est mon étudiant qui a écrit le journal de terrain, qui s'est fait à plusieurs reprises agressé par des personnes issues de l'Europe de l'Est, qui disaient « toi tu es un flic, je te vois ». Je t'attends à la sortie de la médiathèque, tu vas voir ce qui va se passer, etc. etc. Donc, le regard compliqué sur ce que cela veut dire que de poser un regard qui est interrogateur, mais là, du coup, ce n'était pas inquisiteur, c'était interrogateur au sens où on voulait comprendre, mais même cela n'était pas possible. Du coup, avec cette catégorisation, on a compris que leur visibilité venait de la manière dont ils exposaient leur corps. C'est pour ça que j'ai répondu à l'appel de l'ABF qui disait sur le corps en bibliothèque. Pourquoi ? Alors, ces trois catégories n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Par contre, ce qu'elles ont en commun, c'est le fait qu'elles donnent à voir un corps soit dissonant, donc la dissonance au sens social, culturel du terme, c'est-à-dire des postures corporelles, et notamment le regard, qui est un regard soit qui est en train de chercher chez l'autre, et notamment chez les autres usagers, de la reconnaissance et pas de l'indifférence, ce qui pose problème parce que les autres tournent la tête, ils ne veulent pas voir. Et chez les agents de bibliothèque, les personnels, un regard qui les détermine dans un statut de bienvenue, accueilli et de bienveillance, ce qui n'est pas toujours facile et pas toujours le cas. Soit un corps dissonant, soit un corps en déviance, par rapport aux codes sociaux attendus par les autres usagers, soit par l'équipe, soit
un corps extrêmement volatile, effervescent, agité, alors que dans nos espaces de médiathèques, que ce soit dans les services numériques, dans la presse, dans la lecture de presse, dans la lecture sur écran ou dans la lecture sur ouvrage, sur livre, une des caractéristiques, on va dire, qui traverse depuis deux siècles la lecture, la posture lectorale est l'immobilité, la concentration, le silence, etc. Eh bien là, on a une catégorie corporelle, je dois dire, qui se rend très visible par l'agitation, l'effervescence. Et donc, bien sûr, des soupçons très forts de toxicomanie, de toxicodépendance, de... voilà. Et du coup, on a un corps très visible qui rappelle sans cesse ce que la bibliothèque, de manière culturelle depuis deux ou trois siècles, donc vous voyez, c'est socio-historiquement très ancré dans la culture occidentale, les traits de l'écrit, c'est-à-dire... qui ramène sans cesse, qui rappelle sans cesse que le corps est nature, est survie, est besoin, est maladie, est odeur, est transpiration, est agitation, est mouvement, est temps qui passe, donc vieillesse, incontinence, et mort. Et donc, du coup, ce que je voulais vous soumettre aujourd'hui, c'est une problématique un peu plus anthropologique, un peu plus transversale, à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est un fil conducteur, là. Si cette dissonance nous gêne autant, c'est parce qu'elle vient chercher tous ces traits que la lecture, pendant des siècles, nous a fait oublier. La nature, la mort, la maladie, le vieillissement, le temps qui passe, etc. Et moi, mon questionnement est-ce que si vous êtes en train de repenser vos missions, vos référentiels, vos compétences, la pertinence de ce que vous offrez ou vous voulez offrir aux usagers, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur, alors travailler ça veut dire réfléchir et agir, mais travailler surtout en interne avec une cohésion forte de l'équipe, des équipes, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à une continuité plus forte entre pratique, pragmatique, pensée et abstraction, et non pas une idée de césure. Penser à la question de dedans et dehors, non pas pour dire simplement que la bibliothèque doit s'exporter et qu'elle doit se laisser pénétrer par l'extérieur de la réalité sociale, mais juste pour inscrire la question de l'enfermement comme une question par laquelle nous avons fini dans les sociétés occidentales par imaginer la pratique de la lecture comme quelque chose de enfermé, de individuel et d'extrêmement intime et qui regarde qui concerne notre fort intérieur, alors que la lecture a été pendant des siècles une pratique plus collective, plus festive, plus populaire, moins individualisée, moins individualisante. Donc là, ce que je pose comme question, ça n'a pas de réponse, bien sûr. Ce sont des manières d'ouvrir les problématiques, non pas simplement en les surplombant avec des grands mots, enfermement, et puis extérieur, dehors, dedans, etc., mais parce que je me dis que si on continue à penser le fait de lire et devenir en bibliothèque comme étant un terme de frontière, de pouvoir se protéger de la réalité sociale, on ne peut pas comprendre pourquoi ces trois catégories de corps visibles choisissent, alors qu'ils ont à Toulouse d'autres plages où se
appuyer pour se laver, dormir et venir recharger leur portable. Pourquoi les pauvres sans domicile viennent se reposer en bibliothèque, et c'est là qu'ils viennent et pas ailleurs, et notamment les jeunes. Pourquoi les malades viennent se guérir par les livres, parce que eux, ils utilisent les collections, pas Internet, mais les livres, c'est le maniement du livre. Ce que ça veut dire en termes anthropologiques, ergonomiques, que de se poser et pacifier ses blessures par le livre. Je n'ai pas de réponse, je n'ai même pas les mots pour dire ça. Je les pense parce que je les ai vus faire, cette pacification physique qui vient du fait de pouvoir mettre les mains sur un livre et de ne pas être dans l'agitation extérieure. Et puis, les migrants, ceux qui sont en vulnérabilité, qui viennent se stabiliser et chercher une détermination statutaire, alors qu'ils sont dans l'anomie et dans le vide le plus absolu, c'est-à-dire dans l'indétermination statutaire. Pourquoi viennent-ils là et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est pour ça que j'ai parlé dans mon rapport à Cabanis du fait que, du coup, la médiathèque se trouve majorée, c'est-à-dire a dû, quelque part, se réinventer et se surmonter juste pour s'accommoder de ces nouveaux usages. Ils ont juste pris en considération ça. Du coup, la médiathèque n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 2010 quand elle a ouvert. Merci beaucoup, Marie-Angela. On reviendra évidemment sur Toulouse. On reviendra peut-être aussi sur la façon dont l'institution et son personnel ont réagi aux résultats de l'enquête. Je serais intéressant de voir justement comment ça peut se traduire ensuite sur un changement éventuellement dans les pratiques et dans les modalités d'accueil. Et c'est sur ces questions-là qu'on va revenir aussi sur Calais, en revenant sur la problématique, donc la cohabitation des usagers, cohabitation entre eux, cohabitation avec l'institution, et peut-être en voyant aussi peut-être ce qui peut avoir trait à la question du renforcement de la surveillance éventuellement à Calais, voire des formations spécifiques pour le personnel, ce genre de choses. Alors, au niveau de la cohabitation, donc, nous, on a toujours essayé de faire en sorte que tous les usagers puissent venir à la médiathèque et que tout le monde puisse trouver sa place. L'idée, c'était qu'il ne fallait pas qu'un public chasse l'autre. On tenait vraiment... Et d'autant plus que, c'était important de se rendre compte qu'en fait, la médiathèque, elle est vraiment connue et identifiée par nos usagers. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui disaient, mais c'est ma médiathèque. Non, mais c'est chez nous, on les accueille chez nous. Mais là, quand même, enfin, on veut bien les accueillir, mais là, ils prennent un peu beaucoup de place. Mais ça voulait dire que la médiathèque, elle est quand même identifiée. Donc, chez des populations éloignés de la lecture, de la culture, dont on pensait qu'on ne les touchait pas tellement. En fait, si, pour eux, ils connaissaient quand même la médiathèque, parce que même les non-fréquentants habituels, finalement, avaient été mis au courant de ce qui se passait à la médiathèque avec le fait qu'il y ait beaucoup de migrants qui venaient à la médiathèque. Donc, elle est vraiment identifiée comme un lieu. Au niveau de la surveillance, alors moi, à un moment donné, j'avais dit à Madame le maire, j'ai dit, il nous faut des vigiles. Et là, j'ai eu un non, ferme, définitif. Elle m'a dit, mais non, je ne veux pas de vigiles, vous vous rendez compte, des vigiles. Déjà qu'on a des usagers qui ne viennent pas à la médiathèque, ce n'est pas un centre commercial, on ne va pas commencer à mettre des vigiles dans une médiathèque. Bon, voilà, donc Madame le maire qui me dit, je ne veux pas de vigiles. Et mes collègues qui me disent, mais c'est bien, un maire qui ne veut pas de vigile dans une médiathèque, c'est super, oui. C'est court, pas les rues. Voilà, tout le monde me dit, ah bon, oui, mais... On est plutôt... Oui, oui, ah non, non, mais et c'était vraiment... là, je savais que je ne pouvais pas. Hein. C'était vraiment un non, ferme, définitif, impossible. J'ai dit, oui, mais enfin, les jours, c'est un peu tendu, compliqué, etc. Il dit, vous voyez, avec la police municipale, bon, il se trouve qu'en fait, j'avais beaucoup... j'ai des contacts avec la police municipale, parce qu'en fait, quand j'ai pris mon poste, j'ai fait la tournée des popotes. Hein, je suis allée me présenter à tout le monde, y compris la police municipale, puisque souvent, en plus, ils sont mal aimés, nos collègues policiers. On a un regard parfois sur eux qui est aussi pas forcément sympathique.
Donc, j'ai dit, bah, donc je l'ai appelée, j'ai dit, bah, voilà, Madame le maire, elle ne veut pas de vigile, donc est-ce que quand vraiment c'est tendu, je peux vous appeler? Il m'a dit oui, ok, d'accord. Elle me dit, bon, alors par contre, je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même quelques agents qui sont un peu plus ou moins à l'écoute, qui viennent plus ou moins à la médiathèque. J'ai dit, oui, bon, si on pouvait avoir les plus sympas, bon, je vais essayer de faire en sorte que... Il l'a fait, hein. Donc, et dans les équipages, bon, s'il y en avait un qui était un peu plus cow-boy, il y en avait toujours deux autres, parce qu'ils sont trois par équipage, hein. Il y en avait toujours deux autres qui étaient là pour stabiliser. Donc je connais tous les policiers de Calais, y compris la nationale, hein, parce que j'ai eu aussi les CRS quand même, parce qu'il faut savoir qu'on a des compagnies de CRS en permanence à Calais. Et alors au niveau de la surveillance, il y a eu un jour, alors ça aussi, ça a heurté les collègues, moi aussi, hein, ça m'avait fait un drôle d'effet. Et il y a eu un jour où j'ai vu à l'ouverture, enfin avant qu'on ouvre, mes collègues m'ont appelé en disant, écoutez là, ils sont vraiment très très nombreux, en plus on sent qu'il y a une agitation là, on voit dehors, ça commence à s'agiter déjà même à l'extérieur. J'ai dit ok, bon bah, j'appelle la PM. Donc je les préviens, ils m'ont dit ok, attendez avant d'ouvrir, on arrive, etc. Et ce jour-là, la police est arrivée. Alors en fait, devant la médiathèque, il y a une grande rambarde, hein, ça permet d'accéder pour les personnes à mobilité réduite. Et là, les migrants ont vu la police arriver, et donc réflexe pavlovien, ils ont fait comme ce qui se passait à la distribution des repas, ils se sont tous assis, paf, paf, paf. Ceci en ligne, et c'est le seul jour où ils sont rentrés un par un dans le calme, dans la médiathèque. La police après a dit ok, bon, on va ouvrir, on a ouvert. Ils n'étaient que trois, hein. Il n'y avait que trois policiers, et après ils se sont levés un par un pour rentrer. Et ça nous a heurté, parce que là on s'est dit, nous tous les jours, parce que je l'ai fait, hein, où on leur expliquait en anglais, où on avait mis des pictogrammes, on leur expliquait quelles étaient les règles, qu'il fallait rentrer sans courir, un par un, qu'il ne fallait pas bousculer les autres, etc. On n'arrivait pas à se faire entendre et comprendre. Et là, l'uniforme, c'était efficace. Alors on s'est dit, bon, on va peut-être acheter des uniformes. C'est peut-être ça qui nous manquait. Mais bon, après, voilà, après... ça nous interroge quand même. Ça nous interroge parce qu'on s'est dit, quand on est dans un moment donné, on a effectivement, quand ça devient trop difficile, on a besoin d'aide, mais est-ce que c'est aussi cette aide-là dont on a envie? Parce que ça, enfin, personne n'était à l'aise, hein, par rapport à cette situation. Les policiers non plus, hein, d'ailleurs. Parce que les policiers aussi, hein, nous ont dit, mais c'est pas possible qu'on soit obligé d'être là pour une ouverture de médiathèque. Hein. Eux-mêmes étaient mal à l'aise en disant, mais vous êtes témoin, on n'a rien fait. Hein. Oui, 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 vous inquiétez pas. Donc là-dessus, voilà, c'est compliqué. En plus, alors au niveau du CNFPT, il n'y a pas de formation par rapport à ça. Il n'y a pas. Sur les migrants, non. Sur les migrants. Que de l'interculturel. Oui, que là, de l'interculturel. Mais là, c'est très passif. L'interculturel, c'est autre chose. Mais on n'a pas une formation sur comment réagir face à des populations qui sont là pour des besoins extrêmement spécifiques, qui ne sont pas les besoins habituels. Parce que l'interculturel, on sait plus ou moins gérer. Les gens en souffrance, on a l'habitude quand même, on sait plus ou moins gérer. Les SDF aussi, ça, c'est quelque chose quand même plus ou moins. Mais ces personnes qui sont là dans un but extrêmement précis, qui occupent l'espace, alors c'est effectivement qui occupent l'espace, qui sont visibles, ça c'est compliqué. Et puis en plus ça veut dire qu'il faut aller au contact, il faut aller au devant. Ouais. Ça aussi c'est compliqué. Tout le monde n'est pas à l'aise, hein, pour ça. Et puis parfois on a aussi des. Enfin, moi je sais qu'il y a un jour où j'étais un peu fatiguée parce que ça avait été un peu tendu et il y en avait un qui n'avait pas respecté la règle. Bon, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Alsace avant d'arriver à Calais, de venir travailler à Calais, et ce jour-là, il y a un Nein Verboten qui est sorti, sur un ton assez martial, et tout le monde m'a regardé. J'étais là, au secours. Yes. C'est pas ça que je voulais. Mais en même temps, si. Mais en même temps, si, c'est ça que je voulais faire et dire. Mais c'est ça, enfin, vous voyez là, toute cette ambivalence, enfin, on était vraiment sur un fil. Et pareil, à un moment donné, quand vous êtes interrogé par la direction générale et par les élus qui vous disent « Bon, alors vous avez combien de migrants ?» Bah, en fait, le problème, c'est que comment je les compte ?
puisqu'ils ne sont pas inscrits. Bah vous, oui, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ne sentent pas bon, parce que... Comment on fait pour les compter, les migrants ? Non, mais franchement, c'est un vrai souci. Comment fait-on ? C'est compliqué. Alors, donc, je disais, bon, voilà, on a entre 80 et 100 personnes qui ne parlent pas français devant la médiathèque. Non, mais après, voilà, c'est un vrai souci. Et en plus, on n'avait pas de relais avec les associations, parce que les associations sur le territoire, c'était aussi un moment donné où elles étaient en grande difficulté. Parce que, comme il n'y avait pas d'association institutionnelle, hein, parce que suite à la fermeture du camp de Sangatte, il n'y avait plus du tout de relais, donc en fait c'était un peu, c'était toléré, mais c'était pas officiel, donc il y a plusieurs associations qui intervenaient pour donner à manger, hein, vraiment pour répondre à des besoins primaires. C'est pareil, les associations n'intervenaient pas sur du long terme, hein, c'était vraiment pour répondre à des besoins primaires. Et elles aussi étaient en difficulté, donc on n'avait même pas de relais, on était vraiment... Tout le monde était un peu en difficulté. Cela étant, moi, j'ai des notes, j'en ai fait. Hein. Donc, DG, cabinet, enfin, tout le monde. J'en parlais à tous les collègues, donc tout le monde, hein, des services techniques au cimetière, enfin, tout le monde est au courant. Les musées aussi. Et en même temps, parce qu'on était les seuls impactés. Parce que vous ne rentrez pas au musée pour recharger votre téléphone portable. Parce qu'au musée, et même si le musée est gratuit, on ne rentre pas. La BU, il y a une bibliothèque universitaire à Calais. Il y avait un camp de migrants à côté de la bibliothèque universitaire de Calais. Il n'y a aucun migrant qui n'est rentré dans la bibliothèque universitaire de Calais. Je suis allée voir la collègue, je lui ai dit, mais comment t'as fait ? Elle me dit, mais on n'a rien fait. Je lui ai dit, comment ça ? Elle dit, ils ne sont jamais rentrés. Il dit, il n'y a aucun migrant qui n'est jamais rentré dans la bibliothèque universitaire. Alors, est-ce que c'est écrit université ? On ne sait pas pourquoi, ça on n'a pas réussi à avoir l'explication, pourquoi ils sont venus dans la médiathèque de lecture publique. Mis à part ça, si on a su à un moment donné qu'ils savaient qu'on était accueillants, gentils, qu'on ne les mettait pas dehors comme ça, qu'on était quand même plus ou moins de bonne composition. Mais ils auraient pu rentrer, parce qu'à la BU, ils m'ont dit, mais s'ils avaient voulu rentrer, ils pouvaient. Hein. Le camp, il était à 100 mètres à vol d'oiseau. Hein. Ils ne sont jamais rentrés. Il faut savoir qu'ils faisaient 6 km à pied pour venir chez nous. Hein. C'est assez étrange. Et ça, on n'a pas de recul là-dessus. Alors après, on n'est pas les seuls. Hein, parce que les collègues belges ont aussi des soucis. Hein. Merci. Il y aura peut-être sans doute des questions quand on ouvrira le micro pour la salle. Marie-Angela, donc est-ce qu'on peut dire quelques mots de la façon dont les résultats de ton enquête ont été perçus par les personnels, voire de la façon dont ils ont pu s'en approprier une partie. S'en approprier, oui. Deux choses importantes, qui ont fait que cette problématique de la visibilité ne soit pas une problématique négative, hein, perçue et vécue négativement par le personnel. La première est que lorsque l'équipe de Cabanis a changé, a été recomposée en 2012-2013, les nouvelles personnes recrutées, tant dans les catégories A que dans les catégories B, ont affiché des valeurs, hein, explicitement sociales. Et que ces valeurs qui étaient les leurs, hein, ont été portées non pas sous forme de projet, mais sous forme de éthique de travail. Quelque chose qui traverse le quotidien, qui traverse la déontologie, qui traverse les pratiques ordinaires. On n'est pas sur un projet, on n'est pas sur un engagement qualité, sur une charte, ni sur un règlement d'interdit de transgression. On est sur une transversalité beaucoup plus... Alors, si on veut, citoyenne, mais là, c'était vraiment éthique, morale, engagement militant, presque. Et les gens qui sont arrivés l'ont dit clairement et ont fait en sorte de recomposer les équipes autour d'un régime d'adhésion, pas de consensus, d'adhésion qui s'est construit au fur et à mesure. Et ça change
complètement la donne. Ils ont commencé, par exemple, par faire, eux et elles, le restaurant social. Par assurer les permanences dans les créneaux horaires d'affluence la plus problématique, c'est-à-dire les matins, là où à 10h, à 10h30, à 10h ou à 10h30, je ne me souviens plus, ces catégories-là sont là et attendent l'ouverture de la médiathèque pour se poser, se reposer, se laver, etc. etc. Et donc, ces nouvelles personnes ont complètement reconfiguré la manière de faire l'accueil et le service au public en bibliothèque. Ils n'ont pas simplement porté un message, ils l'ont fait. On les a vus les mains dans le cambouis de situations très critiques et très difficiles. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça qui fonctionne, je dirais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, ils ont travaillé service par service, équipe par équipe, la question de comment la marge, c'est-à-dire les comportements et les profils sociaux qui sont à la marge de nos publics préférés, ne doivent pas simplement nous occuper en négatif, c'est-à-dire nous préoccuper, mais comment on doit considérer que ce qui est sur la marge travaille le cœur de l'institution? C'est-à-dire comment, dans une manière très, enfin, dans une métaphore un peu schématique du corps, comment le fait que l'orteil soit blessé vient travailler le fait qu'on ne peut pas se concentrer de manière durable quand on travaille sur, par exemple, de la lecture, etc., etc. C'est-à-dire comment la périphérie, des phénomènes périphériques hein, qu'on met à marge, viennent réinterroger la manière dont nous travaillons quand tout va bien. C'est-à-dire quand on n'a pas de corps visible, quand on n'a pas de crise, quels sont nos présupposés, quel est notre référentiel derrière? Et ça nous sert, c'est-à-dire tout ce qui est critique, tout ce qui est en marge, doit nous servir pour nous interpeller, pour nous réfléchir, pour nous faire réfléchir aux implicites, quand tout est fluide, tout est harmonieux, quand on n'a que des retraités magnifiquement obéissants, fidèles, silencieux, etc., 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 etc. Donc, du coup, il n'y a pas eu, pendant une année ou deux, ils ont revisité ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire, du coup, la dissonance a servi à redéfinir un certain nombre de cadres de perception de la réalité. Et troisième chose, exporter la bibliothèque dans des lieux qui ne sont pas des lieux protégés, mais des lieux à risque de toutes sortes, fait en sorte que la bibliothèque, contrairement à l'institution scolaire à laquelle j'appartiens, décide de ne pas se rendre aveugle à certaines évolutions sociales. Notamment la question des jeunesses populaires en errance et en difficulté et en souffrance psychologique. La question des toxicomanies, la question de l'isolement et de l'exclusion, etc., etc. Donc du coup, on n'est plus là dans des conférences abstraites dans lesquelles le sociologue vient parler de l'exclusion. On va dans des endroits où on rencontre des gens qui ont besoin. Quatrième registre de d'outils, de leviers, etc., c'est la question d'engager la conversation. Donc on a peu à peu dédramatisé les corps en souffrance, des trois sortes différentes, on s'est positionné différemment sur l'altérité et l'étrangeté
Donc, avec tout, tout ce que ça demande en termes de, et je dis bien la différence, mais au sens anthropologique du terme, engager la conversation avec l'autre qui ne nous ressemble pas et à qui on offrait un regard indifférent ou par rapport à qui on se détournait, demande une réflexion, une formation, soit en interne, soit en externe, et qui n'est pas dans l'interculturel, qui est là sur les questions de rapport de domination, sur le jugement social, la distance nécessaire par rapport à son vécu et à sa propre biographie, et la nécessité de refroidir tout ça, parce qu'on est des professionnels qui sommes dans des relations sociales. Si nous occultons ce côté-là, je crois que la moitié de notre travail, sinon plus, n'est pas rempli. Donc, voilà quelques pistes sur lesquelles ils ont travaillé, on a pu travailler. Merci beaucoup. Il y a de quoi s'inspirer, effectivement. Je vous propose peut-être d'entrer dans la danse. Oui, ça ne tarde pas. C'est bon signe. Oui, bonjour. Alors, je travaille à la médiathèque José Cabanis sur le pôle actualité, donc au rez-de-chaussée. Donc, nous accueillons bien sûr avec mon équipe tous les publics, tous les jours, au quotidien. Et donc, des publics en difficulté, ça c'est notre quotidien. Et justement, je n'ai pas tout compris. J'aimerais bien savoir à quel moment il y a eu vraiment quelque chose de fait. Mis à part avec le resto social, là, ça, c'est vrai qu'il y a une animation, il y a des animations qui sont faites, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans la médiathèque José Cabanis, moi j'y travaille depuis quelques années, je n'ai pas vu d'évolution. On les accueille, tout se passe plus ou moins bien. Bien sûr, il y a des soucis parfois, parce qu'il y en a qui ont des problèmes, ils les répercutent sur nous. Par le dialogue, en général, ça se passe très bien. Bon. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ne vois pas trop, j'aimerais savoir qui à un moment donné s'est vraiment saisi de ça, du problème, parce que nous au quotidien, on se débrouille quoi, c'est de la débrouille, on n'a pas eu de formation spécifique, on n'a pas eu de consignes spécifiques, enfin voilà, c'est juste de l'accueil. Je réponds en disant que... J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément de la formation. Ce que j'ai dit en commençant, c'est quand vous structurez une interaction sur un certain nombre de valeurs intrinsèques, ça se répercute sur la manière dont vous traduisez et exprimez l'accueil. Donc, bien sûr, vous, de votre côté, vous dites, on se débrouille, c'est-à-dire on va chercher dans nos ressources, parfois on est même débordé dans nos ressources biographiques, etc. Par contre, ce que l'on voit clairement lorsque l'on compare le climat général de la médiathèque Cabanis avec d'autres médiathèques de centre-ville, c'est que le climat de compréhension, le climat de bienveillance s'est installé à la médiathèque de Toulouse qui n'existait pas entre 2010 et 2012, où le type d'accueil était régi par des principes et des valeurs et donc porté par des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Donc là, je ne juge pas sur l'efficacité. Je ne dis pas simplement que... Je ne dis pas que, du coup, la médiathèque est devenue accueillante et enveloppante pour tous les cas sociaux de Toulouse. Ce que je dis, c'est que le climat général, l'atmosphère de la médiathèque de José Cabanis a changé et que on est capable aujourd'hui de non seulement gérer mais de accompagner des cas critiques de personnes qui sont malades par exemple, et ça je l'ai vu, on l'a observé, on l'a décrit avec des personnes qui sont plus ou moins régulières et fidèles et qui posent problème par la dissonance de leur corps par rapport aux usagers. Donc, je ne fais pas de triomphalisme, les sociologues n'en font jamais. J'étais très critique par rapport à Cabanis jusqu'à un certain temps, mais il fut un certain temps aussi. Mais ce qu'on a vu l'année dernière, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé dans d'autres médiathèques. Donc, ce que je peux dire, c'est que des choses sont en train de changer.
Alors peut-être que ça relève de la dimension informelle et que ça demande à être explicité, à être travaillé, comme on disait dans la première partie cet après-midi, hein, que l'implicite soit explicité. Mais je crois que le fait que des personnes responsables de certaines décisions se confrontent à certaines situations n'est pas neutre dans les cadres d'action que vous adoptez sans le savoir. Oui, je suis... Je propose cette interprétation. Maintenant, vous, sur le terrain, je pense que vous pouvez avoir un point de vue un peu plus aigu, criant, un peu plus flagrant sur les difficultés que vous rencontrez. J'entends bien. Parce que, par exemple, il était hors de question. Alors après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai fait toutes les ouvertures. Je n'allais pas laisser l'équipe toute seule face à cette situation. Mais non, mais ça, c'était une évidence. Et aussi, je savais que, je rejoins ce que vous disiez par rapport à l'exemplarité, qu'il fallait aussi montrer. Parce que je sais qu'il y avait des collègues qui me disaient qu'il y avait une certaine crainte, qu'il y avait une certaine peur. Je leur disais, mais n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous faire taper dessus. Enfin, il n'y a aucun risque, on va raison garder quand même. Je disais, oui, enfin quand même. Bon, vous inquiétez pas, j'y vais, vous allez voir. Bon, je fais 1m60, je suis pas... Enfin, franchement, s'il y en avait un qui avait eu envie de me fracasser, il aurait pu le faire sans problème. Et quand des collègues ont vu que, en expliquant, bon, mis à part la faute, j'avais crié très fort, mais bon, voilà, qu'en étant là, présente, en disant non, vous ne courez pas, juste en disant non, vous ne courez pas, je ne suis pas d'accord. Ah, ça fonctionne. Des collègues qui, au départ, étaient très en retrait, vraiment, hein, qui étaient, ont commencé à voir, à dire, ah oui, effectivement, c'est possible. Et, ont intégré. Parce qu'on a, on a, par exemple, un agent d'accueil, il est vague-mestre, gardien, il fait tout. Hein, et il était là aussi pour donner un coup de main. Lui, il était plutôt du genre à... un peu brun, là. Et j'avais dit, non, écoutez, ça, c'est pas possible. Vous allez voir comment... Donc, il restait pas trop loin, parce qu'il disait, oui, vous allez peut-être vous prendre un mauvais coup. Et maintenant, voilà, au fur et à mesure des jours, je le vois qu'il commence à... Il a entendu aussi, c'est aussi ça, il entend la manière dont je parle. Quand on m'appelait, on me disait, voilà, il y a des usagers qui sont pas contents, qui râlent. Et je leur disais, attendez, je descends. Et quand ils m'entendaient, ils étaient à côté, je disais, quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Est-ce que vous avez été agressé? Non, volé? Non. Bon, alors, c'est quoi le problème? C'est ça, mais la bibliothèque, c'est la même chose pour tous, etc. Ils entendaient la manière dont je répondais, donc il y en a qui se sont aussi appropriés. Je pense que le faire avec, c'est aussi important. Oui. Après, je n'ai pas passé... Oui. J'avais aussi d'autres choses à faire, mais dans les moments, effectivement, comme vous disiez, les plus tendus et les plus aigus, au niveau de mon emploi du temps, de mon plan de charge, je m'arrangeais, je savais que les mardis et... samedi, j'allais pas me prendre des réunions super importantes, quoi. Je savais que le mardi matin, il allait y avoir du monde, donc je faisais en sorte d'être disponible si on m'appelait. Enfin, d'être là à l'ouverture et après d'être disponible. Bonjour, Madame Coyard, médiathèque Jean Falala de Reims. Alors moi, je reviens sur le problème des étudiants, puisqu'on l'a évoqué. Le problème des étudiants en bibliothèque municipale qui ne vont pas à la bibliothèque universitaire parce qu'elle est trop loin de leur lieu d'habitation et qui viennent squatter toutes les tables, tous les lieux dans la bibliothèque et qui toute la journée font chute, chute, chute. Donc les usagers ne peuvent pas parler, les usagers traditionnels, même nous, hein, nous on a droit aux chutes toute la journée. Donc... C'est ça, donc on leur dit c'est un lieu public, la bibliothèque est ouverte à tout le monde, vous n'allez pas demander aux personnes de parler doucement, surtout vous êtes dans des secteurs où il y a des personnes âgées qui viennent parce qu'il y a des documents pour eux, adaptés pour eux, vous ne pouvez pas leur demander de se taire, peut-être un peu moins fort, mais voilà. Donc face à ça, avez-vous une solution? Parce qu'on n'en a pas, on n'y arrive pas. On a déplacé un peu des tables pour modifier l'espace, pour leur mettre un coin un peu plus tranquille aux étudiants.
Mais voilà, on est confronté à ça régulièrement et c'est vrai qu'on a les publics, le public habituel qui nous dit bon ben nous on vient pas, il n'y a pas de place pour s'asseoir, il n'y a pas de place, on peut, tous les fauteuils sont squattés, voilà. Donc, et on n'arrive pas à trouver de solution par rapport à cette situation. Alors, voilà, avez-vous des solutions? Venant de la BPI, je passe. Ben non, je devrais dire. Mais non, mais on est confronté aussi à ce problème. Alors, je crois que vous l'avez dit, on en a parlé au début. Hein, c'est un travail, effectivement, de pédagogie de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il faut rappeler un certain nombre de choses en ce qui concerne les missions de la bibliothèque et en ce qui concerne, effectivement, cette dimension d'hospitalité publique qui fait que n'importe qui peut venir, mais pas pour s'accaparer les espaces et les détourner en fonction de certains types d'usages plutôt que d'autres. Après, je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine qu'on ne doit pas faire tout seul. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut aussi relever la tête et s'entourer des autres institutions, donc la bibliothèque universitaire, des centres d'accueil, des foyers, des choses comme ça, et faire en sorte effectivement que l'espace puisse être partagé de façon harmonieuse. Alors, moi, honnêtement, je n'ai pas de truc, hein, sinon à chaque fois, effectivement, rappeler, mais en laissant sa place à celui qui est là, qui râle, donc en écoutant aussi sa plainte, parce que je pense qu'il y a beaucoup il y a du grain à moudre avec cette plainte des étudiants qui sont en demande, effectivement, d'espace public de travail sur leurs propres documents, et de calme. Alors après, on est aussi, il y a des injonctions paradoxales. Hein. Moi, quand ils sont calmes et qu'ils réclament le calme, je vais plutôt souvent dans leur sens, mais jusqu'à un certain point, quoi. Effectivement, il y a un moment où on doit dire non. Ça, effectivement, vous avez votre place, vous êtes les bienvenus, mais jusqu'à un certain point. Oui. Je me présente Aline Roquia, donc Bibliothèque universitaire de Toulouse Capitole. Donc, je voulais d'abord remercier vos interventions très, très intéressantes, vraiment, et très touchantes. Ce que je voudrais dire au niveau des espaces, c'est qu'on est confronté exactement au même problème au sein des universités, avec des populations qu'on pense à peu près homogènes, mais les premières années n'ont pas le même comportement que les masters. Les premières années font du bruit, rentrent avec des gobelets, etc. Alors la réponse que l'on trouve, qui n'est pas la seule certes, c'est pas forcément la règle, c'est de penser les espaces autrement. Parce qu'on parle plutôt de comportement là. Et on a essayé donc à Toulouse de revoir, on commence un learning center et on a des zones de silence intermédiaire, c'est-à-dire un petit peu de bruit, et de bruit assez important et ailleurs de bruit vraiment très important. Donc il y a 4 lieux. Et il peut y en avoir plus. Dans certains pays étrangers, il y a beaucoup d'autres lieux aussi, de jeux par exemple. Et on commence à voir l'évolution. C'est-à-dire qu'entre étudiants, ils savent que le lieu situé en général au dernier étage de la bibliothèque, c'est un grand silence. Entre eux, ils font la police. Parce que c'est clair, c'est visible. Et ils savent que là, c'est la règle. Elle est claire, et effectivement, je comprends au niveau d'autres médiathèques, enfin des bibliothèques publiques, c'est peut-être, il y a moins de zoning comme ça, mais c'est pratiquement, enfin en tout cas dans les learnings, ce qui se préfigure, c'est ce type de modulation des espaces pour permettre des usages clairement identifiés. Ça veut dire que l'étudiant va dans le lieu qui lui convient selon son propre besoin. C'est une solution, mais c'est sans doute pas la seule. Mais c'est intéressant, en tout cas, que le témoignage vienne des bibliothèques universitaires. Oui. Mais effectivement, bon, le zonage des espaces, on sait que ça demande de la place, effectivement. Et c'est sans doute plus facile à mettre en place au sein d'une BU, où vous avez effectivement un public relativement captif, alors hétérogène, hein, vous avez tout à fait raison. Cette question de l'homogénéité et de l'hétérogénéité, quand on dit les migrants, c'est une tournure de langage, bien évidemment, qui n'a aucune réalité concrète. Ils sont tellement différents en fonction du pays d'origine, en fonction du niveau de diplôme. Oui. Il y a des migrants très diplômés à Calais. Oui, oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais on a des migrants très, très diplômés. Hein. Et après, parce que dernièrement, il y en avait un, il était médecin.
Donc, ils sont. D'ailleurs, il y a même des collègues de la médiathèque qui disaient, mais eux, ils parlent plusieurs langues que nous, on n'en parle qu'une, le français. Hein. Oui. Ouais. Avec un bon accent du Nord en plus. Mais voilà, on a effectivement des migrants ultra diplômés. Alors c'est vrai que c'est. Mais alors après, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas trop sectoriser, parce que parfois on peut avoir envie de répondre à des usages précis. Enfin, nous, par rapport à notre problématique, l'idée c'était d'accueillir tout le monde, enfin d'essayer d'accueillir tout le monde. Mais juste pour compléter la question des bibliothèques universitaires, qui m'intéresse beaucoup, et sur lesquelles j'essaye d'aider la question de la spatialisation des usages, je pense que la question des espaces dédiés à partir d'une modularité, une variabilité des silences ou des pratiques est une bonne piste. Je pense qu'on peut, et ça permet, sur ce que l'on voit dans les bibliothèques universitaires qui commencent à le faire, ce que l'on voit c'est non pas justement une sectorisation, une segmentation par discipline ou par cursus, mais par situation dans l'emploi du temps. Donc on va voir par exemple entre midi et 2 la même personne, le même étudiant de L2 ou L3 venir dans certains endroits, si ces endroits permettent d'amener le pique-nique. Si c'est interdit, ils ne viennent pas. Donc, problème pour les universités, problème, parce que quand ils quittent le campus, ils ne retournent pas, ils n'y reviennent pas facilement. Donc, dans la question de la réflexion sur comment les intégrer, comment les retenir, il faut, les BU et les centres ressources des UFR, intégrés ou associés, peu importe, sont c'est des lieux fondamentaux pour les retenir, avec des espaces un peu de distraction, de dispersion, de rencontre, de sociabilité. Et ça, c'est pas encore tout à fait acquis dans les BU. Hein. Quand je dis sociabilité étudiante, waouh, waouh. Bonjour. Pardon. Oui. Merci. Mohamed Bouali, de Pleine Commune. Je voulais attirer votre attention sur le vocabulaire utilisé par les bibliothécaires. Quand bien même, on voit bien la bienveillance qui caractérise vos exemples et donc vos pratiques en bibliothèque, en particulier à Calais. Moi, j'ai noté cas sociaux, j'ai noté jeunes, j'ai noté public captif, qu'est-ce que j'ai noté encore, migrants. Voilà, on reste malgré tout dans la catégorisation, quand bien même, encore une fois, on fait preuve de bienveillance. Donc, moi, je voudrais que aussi on interroge notre posture à nous, puisqu'on le voit bien, encore une fois, la posture, elle est en référence avec le public traditionnel et que du coup, parce qu'elle est en référence avec ce public traditionnel, eh ben, on parle de problème plutôt que de problématique. Donc oui, il est où le problème finalement quand, et on l'a bien vu à Calais, quand le public vient à la médiathèque, c'est qu'il se sent reconnu. Et c'est ça qui est important. Qu'ensuite, effectivement, les collègues rencontrent des problèmes, mais le problème ne vient pas du public en question, du public migrant dont on parle. Il vient du fait que, justement, on reste encore dans cette posture. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais souligner et porter à votre réflexion. Merci. Alors, oui, par rapport aux migrants... Alors après, qui sont-ils, ces personnes ? On peut dire les personnes, on peut dire les usagers. De fait, ce sont des gens qui sont en situation de migration, qui, quand on va les voir, nous disent « mais moi, je ne suis pas là pour rester ». Parce que ça, on l'a vécu, hein, quand on leur dit « mais on va vous réserver le créneau Internet ». Non, demain, je serai partie. Quand on leur propose des ressources, voilà. Après, quand je dis c'était... Alors, oui, c'est une problématique. C'est vrai que quand la bibliothèque ne peut plus, quand on était accaparé par des problèmes, par le fait de répondre à des besoins primaires... qui n'était pas le rôle et les missions de la bibliothèque,
à un moment donné, c'est embêtant pour tout le monde. Là, c'est pour ça que je disais que ce qui avait été déterminant, c'est le fait que, au même moment où nous, on essayait de trouver des solutions, il y avait justement la construction de ce centre d'accueil pour pouvoir répondre à ses besoins. Parce qu'il faut bien y répondre à ses besoins à un moment donné. On ne va pas se voiler la face. Les gens, ils ont besoin de se laver, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ils ont besoin de recharger leur téléphone portable parce qu'ils ont besoin d'être en contact avec leur famille. Parce que, comme vous dites, c'est des humains, c'est des êtres vivants. Ils sont là, ils ont traversé des milliers de kilomètres. Oui, ils ont besoin d'être en contact avec leur famille et d'appeler avec leur téléphone. Donc, il fallait qu'on puisse répondre à ces questions. Nous, bibliothécaires, est-ce que à la bibliothèque, est-ce que j'allais réclamer beaucoup plus de prises pour qu'ils puissent le faire ? Non. Alors après, par rapport à la question de comment on les appelle, comment on les dénomme, comment... c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ils sont en situation de migration. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. Hein. Franchement, hein, enfin... Mais après, ça nous questionne. Hein. Mais je ne sais pas comment les définir autrement que par ce statut qui est intermédiaire. Si je me permets, ce sont des personnes qui sont dans une situation de migrants, mais ils ne sont pas exclusivement des migrants. Ce que je veux dire par là, c'est que prendre la personne dans son identité entière et pas dans une situation particulière. Voilà, et que du coup, répondre à un besoin, vous l'avez fait d'ailleurs, vous avez répondu à un besoin exprimé de fait, puisqu'ils sont arrivés, ils se sont sentis reconnus. Et ils sont et je pense qu'ils se sentent toujours reconnus parce qu'ils reviennent à la médiathèque. Ils continuent de venir parce que ça a été un des points sur lesquels j'ai bataillé. Parce qu'à un moment donné, on m'avait posé la question, hein, les services juridiques et la mairie hein, m'avaient dit « Mais est-ce qu'on peut mettre en place un système de cartes ?» et tout. J'ai dit non. Et j'ai été suivie là-dessus. Donc tout le monde peut continuer de venir à la médiathèque. Et après, on a essayé de discuter, de rencontrer... On a rencontré la BPI, on a rencontré Bibliothèque sans frontières aussi, voilà. Et d'ailleurs, c'est alors par rapport à ces personnes qui sont des personnes avant tout. Donc là, la ville de Calais fait l'acquisition d'une IDS box, hein, donc les fameuses IDS box de Bibliothèque sans frontières. Donc nous, on l'achète en tant que collectivité territoriale, on l'achète et on va l'utiliser cette IDS box. Alors ça, c'est volontaire, on ne va pas l'utiliser au camp Jules Ferry. On va l'utiliser dans les extérieurs, dans les endroits où justement il y a toutes ces populations différentes. Donc les Calaisiens qui sont là depuis des générations entières, les quelques Anglais, voilà, on va l'utiliser pour justement recréer ce vivre ensemble, cette communauté pour que tout le monde puisse se rencontrer. Et on l'a acheté pour... tous les habitants du territoire. Enfin, c'est le discours affiché, affirmé. Cette box, elle est achetée pour les habitants du territoire. Donc les résidents du territoire, après, quelle que soit la manière dont ils résident. On va peut-être prendre une toute dernière question. Non. Alors moi, je suis Sophie Marchaud, je travaille dans un grand hôpital parisien. Il y a deux bibliothèques, une bibliothèque médicale. Et là, alors pour madame, ils ont des petits distributeurs de bouchons d'oreilles, comme les machines à bonbons. Hein, donc on peut récupérer son distributeur, son bouchon d'oreille. Ça, c'est une. Et d'autre part, dans la bibliothèque généraliste, nous recevons les patients, les personnels, les familles qui accompagnent, et aussi d'anciens patients, des personnels retraités en précarité, des gens qui ont appris que c'était assez accueillant, puisqu'on a quand même le mot d'assistance publique qui est quand même accroché sur nos frontons, et donc que les gens viennent aussi pour ça, pour cet accueil. Mais c'est vrai que je me suis trouvée avec des difficultés. On n'est que deux, hein, déjà, pour commencer. Et c'est pas très grand, mais quand même. Et on a 4 postes informatiques d'accès complètement gratuit et complètement libre. Et il y avait une personne, effectivement, son domicile fixe et qui sentait un petit peu mauvais, et une personne
soignés en traitement, qui avaient des traitements lourds et qui avaient des écœurements avec l'odeur et qui a commencé, bon, ils ont commencé à se friter et c'était un petit peu terrible, se battre sur un ventilateur. Enfin, la personne qui était malade était en souffrance pour des tas d'autres choses et psychologiques aussi. Et c'était inextricable à un moment, donc j'ai fini par appeler la sécurité. Enfin, je leur ai dit, écoutez, là, si vous arrêtez pas tous les deux, si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, on va en éliminer un des deux. Hein, c'est pas... bon. C'est une solution. Et après, c'est ce qui s'est fait, malheureusement. Moi, j'étais très, très dépitée de cette situation. Et puis après, il est revenu. Mais je veux dire, c'est aussi... on se retrouve parce que dans les chambres, ils n'ont pas accès au Wi-Fi ni à l'Internet. Donc, c'est vrai qu'ils viennent aussi. Et c'est là pour ça, pour qu'ils gardent le contact, effectivement, avec l'extérieur, avec les familles, avec l'entreprise, avec Dieu sait quoi, et avec tout l'espace ludique et tout le reste qu'il y a dans la bibliothèque, bien sûr. Mais voilà, c'était juste ça. C'est là. Merci. C'est la fin. Je voudrais juste profiter de la conclusion pour vous dire que le 29 septembre à Calais est organisé en coopération avec la BPI une journée d'études sur l'accueil des publics non francophones et des personnes en situation de migration dans les bibliothèques publiques. Voilà. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toi. Et donc, il faut...